Voilà, mes chers amis, vous étiez donc avec le Média Qui, mais vous savez, au niveau de la télévision, quelquefois, le temps nous est imparti. Donc, pour ceux qui pourront éventuellement avoir plus d'envie d'avoir notre grand frère, notre doyen, pour des sages conseils ou quelques compléments d'informations sur ce qu'on a dit ici, nous voulons dire, grand frère, ici en France, tu es avec nous, tu es de la Grande-Bretagne, mais tu viens nous rejoindre ici en France toujours. Donc, la mission que Papa Kuntima Dienguenda, le Kimbangu deuxième, t'avait confiée, comment peut-on te contacter éventuellement, papa? Ouais, j'ai un numéro que j'utilise ici, c'est le 0. Alors, donc, c'est papa. Oui. Oui, donc, le numéro de communication pour joindre notre grand frère, Tata Bérison. Bérison, c'est le plus, vous faites en France, donc le plus 33. 75 39 76 674. Je répète, 33 7 53 97 66 74. Il a aussi un numéro international parce qu'il est international. Son numéro international WhatsApp, c'est le plus 44 74 40 69 82 98. Donc pour joindre notre le soldat dans l'armée de Tata Simon Kimbangu en ce qui concerne les instruments à cordes, le GGKI, grand frère Bérison, vous pouvez le contacter. Donc vous avez grand frère Bérison au Italie, moi ma conseil à couper sa bisson parce qu'elle allait doyer la carte Moussa GGKI. Numéro de contact n'est pas moyen pour les gens qui sont en France. N'est pas Yelbiso. Awa Ezali. Bosali 33 75 39 76 674. Je répète. Bosali 33 75 39 76 674. Azali peut un numéro international parce que Azali international. Attends, là, quand vous me demandez, papa, quand tu m'as dit que les amis m'ont dit mon santo, qui m'a mis balai à la quai la cahier. Les Ali, plus 44 74 40 69 82 98. Donc, pour joindre grand frère Nabusso, n'a pas été ma conseil, moi, ma suggestion pour Azali en tant que doyen. Et Azali sont dans la carte, il y a Armée, c'est mon Kimbang, donc la nouvelle civilisation. Voilà mon bisso, l'équipe, vous allez voir la Nabango Sima Sima, va la concadrer bisso. Donc voilà, moi, complément de façon papa, le col de tout sur la podium. Moi, l'une des choses que je dans ce PC, au la bisso, au Shikai, au de Moulaï, au Zébona, tout pays. Ah, c'est bon, il va se féliciter. Tout pays. Oh, 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 oh
Voilà, ma tata, ma maman, merci beaucoup, grand frère Berizon. Na Nzembo, oh, il y a Nzembo très très historique. L'illustration, papa Koutima Diangenda, nous avons un goût Longo ici en Europe. La grand-mère qui est revenue, elle est avec nous en France. Celle de 21, elle est avec nous ici. Son père, qui est donc son mari, papa Kuntima Diengenda, lui avait dit, ma fille, dans n'importe quelle situation, évoque-moi ce cantique-là. Tu vas voir, tu auras des réponses tout de suite. Et l'illustration, moi, mon beau-père, le Jack Christophe de Nkamba Yerusalemi, m'avait expliqué à l'époque quand j'étais à Kinkowa, à Kinkewa, en tant que membre là-bas, le travail, Kupa Diangenda, en tant que musicien de la Faki, il m'avait dit que ce cantique-là, c'est comme un homme qui est en train de fuir une situation désagréable. Il monte dans un arbre. Dans l'arbre, il prend la branche de l'arbre. La rivale dans l'arbre, là-bas, il y a le serpent. Par terre, où l'arbre s'est tenu, il y a un lion. Et la branche de l'arbre va vers le fleuve. Et dans le fleuve, il y a le crocodile qui ouvre sa bouche pour le manger. Alors, dans cette situation-là, comment vas-tu sortir de cette situation-là? Dans l'arbre, il y a le serpent. Dans l'eau, il y a le caïman, le crocodile qui veut te t'avaler. Et par terre, sous la terre, il y a le lion. Comment vas-tu faire? Et donc, c'est ce cantique-là. C'est cette anecdote-là, c'est cette situation-là explique ce cantique-là, qui en langue des anges. Mon frère, une fois de plus, merci beaucoup. Pour cette cantique, le terme, papa, sauf pour ça, les camions soyez. Ah là là, c'est grave. Et là qui intervient, c'est seulement Tata Kimbangu Kangami. Eh oui, c'est la solution. S'il y a autorité sur toutes ces créatures-là qui t'environnent, qui te perturbent, tu as peur. Qui peut enlever la peur? Exode 14:14, c'est lui, sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kangami. Voilà. Samedi 16 février l'an 2019, jour J plus 5, parce que papa, Dieu le Père, a décidé de prendre corps physique ici-bas sur terre à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en la personne de Tata Kisolo Kele Kintimukemazulu Kinaba Kelelenge Diambo Charles, je dis le fort. Merci papa. À très bientôt, grand frère. Bye bye.